Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y aujourd'hui avec l'élément air. Donc, je pourrais très bien rencontrer le signe du Gémeaux, le signe du Verseau ou le signe de la Balance. Continuons. Qu'est-ce qui est présent? On nous présente le chercheur d'or. Bon, cette carte nous parle d'une personne ici qui peut t'utiliser. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation, de quel côté. Donc, c'est une personne ici qui peut t'utiliser pour ton argent. Donc, c'est une personne qui s'intéresse à ton argent. On verra bien. Pour moi, le chercheur d'or peut aussi représenter la personne qui aime découvrir des trésors. On va dans des brocantes. On découvre des merveilles. Allons-y maintenant avec deux cartes de mon jeu haut. Oups! Bon. Donc là, d'après moi, quand je regarde cette carte, j'aurais tendance à penser qu'on me parle d'une personne qui, quoi, là? Oui, cette carte pourrait aller dans le sens d'une personne qui peut t'utiliser. Donc, la carte ici, utilisée pour ton argent. Donc, ici, c'est la carte qui nous présente une personne qui porte la cagoule, donc qui se cache. Une personne qui se cache. Donc, est-ce qu'on nous parlerait de faux soi? Bon, ça me fait penser aux bandits, là, quand je regarde l'image. Continuons, on verra bien. C'est pour un signe d'air. Soit Gémeaux, soit Balance, soit Verseau. Ressentiment. Donc, ici, on nous parle de quoi? De colère? Colère refoulée, la rancune. Continuons. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? On en veut à quelqu'un. Ou bien, on me présente une personne qui, oui, qui refoule sa colère, qui cache. Donc, ici, on se cache. Cacher sa colère. Continuons, on verra bien. On ne révèle pas nos émotions. Et on a commencé avec le chercheur d'or. Continuons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Ici, on nous parle de clés. Mes cartes se décomposent. On nous parle de clés du cœur. La clé, le cœur. Ouvrir le cœur. Bon. Aurais-tu rencontré une personne, la bonne personne que tu crois avoir trouvé? Et il y a de l'amour ici. Il y a une personne ici qui veut t'inviter. À toi de voir où est-ce que tu te situes, là. Où est-ce que tu te situes dans cette relation. Donc ici, on dirait qu'il y a un coup de cœur. Une personne veut t'inviter à te rencontrer. Communiquons.
C'est une personne qui t'aime bien, qui t'apprécie. En tout cas, il y a de l'amour ici dans l'air. Il y a des petits cœurs, des histoires d'amour. Mais ici, on me présente une personne qui refoule, d'après moi, sa colère. Donc, l'émotion n'est pas nommée. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Allons-y. Donc, on nous parle d'invitation, on nous présente une personne. On a commencé avec le chercheur d'or, une personne qui peut t'utiliser pour ton argent, ressentiment. On le cache, donc ici, c'est le faux soi. Donc, quand on est en présence de cette personne, là, ici, probablement qu'on doit ressentir quelque chose. On doit ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit le ressentir pourtant. Même si la personne le cache, ne l'exprime pas, il me semble que ça se ressent. Mais bon, on verra. Là, on nous parle de se rencontrer, partager un moment entre amis. Donc, c'est quelqu'un que tu connais. C'est comme si on me disait, ah, cette personne, elle ne pense qu'à l'argent. Mais il y a de la colère ici, là. On n'exprime pas notre colère. Il y a du ressentiment. Attendez. Solitude à l'envers. Oh là là. Bon. Solitude à l'envers. Soleil à l'envers. Et l'équilibre qui nous parle de justice. La balance. On recherche notre équilibre. Donc, solitude à l'envers. Soit qu'on me présente, attendez une personne. La lumière à l'envers, solitude à l'envers. Très possible ici qu'on ait abusé de notre confiance. Apparence trompeuse avec la lumière à l'envers. Apparence trompeuse, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est faux, on ne peut pas faire confiance. Il y a une personne ici probablement qui s'est retirée parce qu'elle a perdu confiance en l'autre. Elle s'est fait justice. Elle voulait la paix. Probablement ici qu'on a dépouillé une personne ou qu'on a profité, dépouillé dans le sens de profiter de son argent, profiter d'elle. On a profité de cette personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc, on nous parle aujourd'hui d'une personne qui veut inviter l'autre. Et il y en a une des deux qui en veut. On aurait abusé de sa confiance, on aurait profité de cette personne pour son argent. Oui, ici on a le chercheur d'or. Mais rien ne paraissait. Bien non, on a commencé aussi comme ça, là. Tout est dans le cachet. Même les émotions, là, ça ne paraît pas. Donc les apparences, on reçoit possiblement ici un double message. Comme je le disais au tout début. On est en présence de cette personne, mais je ne peux pas croire qu'on ne ressent pas. Je ne peux pas croire. Ici, il me semble que chaque personne est consciente de ses comportements. La personne qui a profité de l'autre, là, pour son argent, elle le sait très bien. Elle le sait très bien ce qu'elle a fait. Donc, je reçois comme un double message. En apparence, oh oui, on s'invite. On va partager un bon moment. Je t'apprécie, mais il y a, on dirait, une crotte sur le cœur. Aussi bien de le dire comme ça, il y a quelque chose qui pue,
dans cette relation-là, il y a quelque chose qui pue. C'est pas des farces. Et ce n'est pas nommé. Ce n'est pas nommé, c'est caché. Mais ça se ressent. Ça se ressent tellement. Je vous le dis. Donc, il y a une personne possiblement ici qui s'est retirée. C'est spécial parce que oui, on veut le rapprochement, se rencontrer. Une des deux personnes ici veut inviter l'autre. Tout paraît tellement beau en apparence, je vous le dis. C'est comme si rien ne s'était produit, rien ne s'était passé. Mais on sait très bien ici qu'il y en a une des deux qui a profité de l'autre pour son argent. Qui a triché. Une des deux qui a triché au jeu. Il y en a une ici qui s'est retirée. Oui, il y en a une ici qui a été dépouillée. Quoi d'autre? Donc ici, il y a une personne, d'après moi, avec la carte de l'équilibre, c'est très possible ici que là, on décide de clarifier la situation. Parce qu'on n'est pas en paix. On n'est pas en paix à l'intérieur de soi. On se ment, là, ici. On cache. On cache nos émotions, ressentiments. On se cache derrière un personnage, un faux soi, un masque. Donc, je reçois un double message, on l'a compris tantôt. En apparence, tout est beau. Ah, on s'aime, il y a de l'amour dans l'air, mais à l'intérieur, dans cette relation, il y en a une des deux personnes qui sait très bien que l'autre a abusé de sa confiance. C'est juste que ce n'est pas nommé. Il y en a une des deux personnes qui sait très bien que l'autre a profité d'elle pour son argent. Donc là, avec la paix, la carte de l'équilibre, donc on cherche quoi là ici? À faire la paix? Il y a une recherche d'équilibre. Donc ici, ça voudrait dire qu'on voudrait clarifier, faire les modifications nécessaires pour être en paix. Oui, on a menti. Avec la carte de la lumière à l'envers, on a caché la vérité. On a menti à l'autre. On a créé l'illusion. Je vous le dis, apparence trompeuse. Mais vous le savez très bien, hein, votre ressenti, quand quelqu'un vous ment, ou la personne qui sait qu'on a profité d'elle pour son argent, le sait, c'est juste que c'est dans le non-dit. Il y a beaucoup de non-dit ici. Et on se rend compte comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Vous imaginez, ça ne peut pas ne pas se ressentir, il me semble. À un moment donné, on ne peut plus cacher, là. Ça se ressent, ça transpire. Ça transpire le mensonge. En tout cas, il y en a une ici qui cache sa colère, qui en veut à l'autre. Ce n'est pas nommé. Avec la carte de l'équilibre, on nous dit quoi? Est-ce qu'on est prêt à clarifier, à faire les modifications nécessaires pour être en paix? C'est peut-être pour ça aussi qu'on veut se rencontrer, qui sait? Eh bien, regardez la carte là, qui vient tout juste de tomber. Malhonnêteté, le masque. Est-ce qu'on veut se démasquer? Est-ce qu'on veut être vrai avec l'autre pour clarifier? C'est une femme ici qu'on me présente. Qui est cette femme pour vous? Une sœur? Une amie? Une amante? Une collègue? Qui est cette femme pour vous? Et c'est important de voir où est-ce que vous vous situez en cette relation. Du côté de la personne qui a menti, qui a porté un masque, qui a profité de l'autre, c'est peut-être votre ex aussi. Mais il y a vraiment une personne ici qui a profité de l'autre pour son argent, qui a joué le grand jeu.
et en apparence, on se rend compte comme si de rien n'était. Mais on le sait très bien ce qui s'est passé. On le sait très bien. Donc là, ici, probablement avec la carte de l'équilibre, malhonnêteté qui est tombée comme ça, j'ai comme l'impression là qu'on va se rencontrer pour discuter de quelque chose. Ici, la carte de la tasse de café me parle de se rencontrer entre amis pour discuter, communiquer, une personne qui t'apprécie, qui est en train de quoi. Ici, on nous parle d'ouverture du cœur. Donc ici, probablement qu'une personne veut être vraie, loyale, faire les modifications nécessaires pour être en paix en cette relation. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est une personne qui a été rusée. Donc, à vous d'identifier la femme ici, là. La femme riche. Donc, c'est elle qui va se démasquer, là. Je pense qu'elle n'a plus le choix de se démasquer. Avec la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. J'ai comme l'impression qu'on connaît la vérité. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Bon, je vous lis le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous voyez, la carte de la paix, c'est la carte de l'équilibre. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Rappelez-vous aussi que vous êtes libre de choisir, de prendre vos propres décisions. Si vous voulez demeurer en cette relation, même si la carte nous dit « quitter les vieilles routes et les personnes du passé », si vous en décidez autrement, c'est votre choix, c'est votre décision, vous êtes responsable de vos décisions. Continuons. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard!